si j'essayais. Justement, c'était ah, tu aurais gagné un multi XP. Mm-hmm. Oh, tu regardes quoi, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai qu'on devait faire la loterie. Ouais. Oh bah ça, faut... C'est ça. Peut-être. Tellement de trucs qu'à faire. Oui, craque-moi dans l'eau. Craque-moi dans l'eau, c'est pas une bonne idée. Allez, nage. Le plus drôle, ce serait une flotte, parce que si c'est une noix, il est creux. Alors peut-être que sa tête flotte, mais il me semble que comme elle est lourde, non. Ouais, je crois que c'est son torse le plus lourd. Ah non, c'est sa tête. C'est sa tête le plus lourd ? Ouais, c'est sa tête le plus lourd. En fait, quand il... le pot bichette, quand elle se retrouve sur le dos, elle peut pas se remettre sur les pattes, parce que sa tête est trop lourde. Pour ça qu'en fait, en général, elle utilise que sa tête qui sort d'un trou de sable. Est-ce que vous êtes l'un chez l'autre? Parce qu'il y a vos deux micros qui s'allument en même temps quand il y en a un des deux qui parle. Non. Il y en a un, j'entends le bruit qui fait genre l'ordinateur et l'autre qui parle. Chelou. Ok. Du coup, il dispose ses Pokémon sur le terrain et il vous dit choisissez votre adversaire, jeunes gens. Nos choix ont déjà été faits au préalable. Ah, je vois que Marc a pensé à adresser une stratégie. Au moins, il aura appris quelque chose à ses élèves. Eh, déconne pas, toi, arrête de raconter des conneries. Ouais, quoi, c'est vrai, Marc. Bon, allez, jeunes gens, disposez vos Pokémon. Je sais que ça vous fait peur, mais vous inquiétez pas, ça va vite passer. Ah, je m'étais agenouillé pour observer d'un peu plus près le cabriolet, mais. L'examiner. Oh. Très joli. Alors, qui commence? La sauce qui comment? On se fait une sorte de d'initiative pour savoir qui c'est qui commence. Allez. Sur un des combien? Normalement, t'as un bouton initiative, je crois, sur la feuille. Ouais, attends. Pokémon. C'est qui? C'est Eoko. Qu'est-ce qu'il a, mon Eoko? 16 pour moi. En face de... des autres. 16, ok. Eoko, une petite initiative. Initiative Eoko. Ah, Kaiminus, tu le voulais contre le sablette. Oh. Mm-hmm. Oh. Intéressant. Ah, initiative, c'est marqué là. Magique. Attends. Bon, Kaiminus a pistolet à eau, donc normalement, normalement, je dois avoir des stratégies contre le jet de sable. D'ailleurs. Vous êtes sûr pour Aquaquac et Cabriolet? Oui, Kaiminus pour aller sur le sol, de toute façon, on s'en fout. Escarabrut, qui c'est qui voulait? Actuellement, c'est. En réalité, on était sûr parce que c'était un des seuls Pokémon qui pouvait faire à peu près le poids niveau efficacité. C'est qui ces Pokémon déjà? C'est Smogo, Escarabrut, c'est ça? Alors, ces Pokémon, c'est. Mogos, Carabrut, Sablette et Aquaquac. Et donc. On avait dit Smogos contre Oko. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Alors attends, je vais mettre une couleur pour. On avait dit Smogos contre Oko, Sablette contre Kaiminus, Aquaquac contre Cabriolet, Scarabot contre Brésilien.
Oubliez pas, on a peut-être l'avantage du type, mais c'est jamais gagné d'avance. Donc restez concentrés. Surtout pour moi, ça va piquer. Alors, juste pour les deux, du coup, qui c'est qui affronte l'ami Alors, tu fais combattre les deux ou un seul des deux? Bon, tant qu'à faire, autant faire combattre les deux. Ok. Les autres, vous mettez... Je fasse l'initiative des deux, je suppose? Non, d'un seul, comme ça... Ah, d'un seul? Oh, ok, d'accord. Non, c'est il faut savoir quel combat on va commencer. Ah, bah le tien. Ok. Et qui combat contre toi? Contre Bulbi. Ça dépend, tu lances quel Pokémon? C'est des combats solo ou double? Solo. Ah non, solo. Pour le coup, je pense que je vais commencer. Je vais déjà commencer avec Bulbizarre. Bulbizarre? Ouais. Je crois pas que ce sera moi. Arcus, tu veux le faire ou j'envoie Yoli? Comme tu veux, moi j'ai mon Wistikram, c'est comme tu veux. Vas-y. Ok. J'envoie Kramer. Mediena, tu peux l'écrire correctement s'il te plaît, Wikipédia, merci. Autre chose que je voulais savoir sur vos Pokémon, vos vitalités sont bien ou pas? Comment ça? Ils sont tous restaurés quoi. Ok. Ouais, normalement. Ah oui, on les fait quand même dormir hein, après l'entraînement. Oui, ils ont passé 2 jours à dormir là, donc. Ouais, quand même. C'est ça, on avait fait une grosse journée d'entraînement et ensuite on s'est dit on va laisser se reposer. Ils sont très bien débrouillés. Non, moi j'étais censé booster, j'étais censé faire un entraînement spécial avec Abriolen pour qu'il monte de niveau et qu'il apprenne une capacité de type plante. Donc oui, moi, juste... les jours restants, il s'est quand même entraîné. Hein. Pas oui. En combat, mais. Oui, et justement, ça lui a été bien utile vu qu'il a pris Fou Hélène. Nice. Attends. Dans mes souvenirs, il apprenait pas Fou Hélène, Cabriolène. Si. Ah bah là, je me suis gouré alors. Alors, Cabriolène, tac, il apprend Fou Hélène niveau 7. Et actuellement, grâce à l'entraînement que Cynthia a fait à Cabriolène, il est niveau 11. Nice. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah! Prochain niveau, il apprend Vampigraine. Ça va être utile de fou, ça. Moi, je dis ça, déjà. Ça aurait été utile pour le combat si j'aurais voulu booster avec croissance. De fait, ouais. Premier combat avec l'ami Bulbizarre. Pour le coup, oui. Alors, je vais juste écarter les autres, c'est pas forcément pour les foutre ailleurs, mais c'est juste pour avoir la zone de combat. Donc je les ai rangés. Hop. Quel terrain il choisit Bulbizarre pour attaquer le sol, la cabane, l'eau? Je sais pas pourquoi j'ai dit l'eau. Bulbizarre, il va préférer. Il se bat contre quoi déjà? Wistikram. Ouais, contre Wistikram. Alors en soi, il va peut-être préférer le sol. Le sol, ça marche. Wistikram, il va se mettre où? Wistikram, lui, il sera là. Okay. Il utilisera les arbres et les hauteurs. Ah oui, tu veux que je te le pop? Euh,
Ça serait potentiellement sympa. Oui. Ça, j'avais pas prévu de combattre maintenant, moi. Donc tu l'as appelé comment? Kramer. Kramer. Comme dans le manga. Yes. Je l'ai fait pop. Voilà, attends, je vais mettre. Hop, c'est bon. Niveau vitesse, tu as combien, Whisky Kram? Ah, oui, c'est grave, t'es un Pokémon super rapide. Donc, attends, je vais te dire ça. Vitesse, j'ai 73. Ok, Bulbizarre, t'as combien en vitesse? 73 de vitesse. Ah, pardon, attends, je suis pas sur la bonne. Il est con. 73. Ok, donc c'est Whiskycram qui attaque en premier. Ok. Il va lancer Flamèche, hein. Flamèche, ça marche. Alors que je me souvienne, macro-attaque. Non, c'est souvenir. Que se souvienne comment fonctionnent les combats. Alors, attaque Pokémon. Attaque Pokémon. Pourquoi ne s'active-t-elle pas? Il faut que tu cliques déjà sur le token. Ah oui, c'est vrai. Putain, ça fait tellement longtemps. Alors, attaque Pokémon. Raison. C'était quoi ça déjà? Flamèche, bah, t'avais dit. Ouais. Ah, bah, du coup, Flamèche. Base. La stat de base. Donc, toi, c'est attaque spéciale. Ouais. Attaque SP 69. Nice. Un chiffre que nous apprécions tous particulièrement. Puissance 40 et inflige 40, hein, c'est la même chose. Non, type feu. Brûlure. Ah, hein. Ouais, ça inflige automatiquement le statut. Ah, d'accord. Voilà. Ah, oui, attends. Ah, oui, bah, du coup, je dois recommencer parce que j'ai foiré. Ok, donc Flamèche base. 69 puissance 40 inflige brûlure, même si je crois pas que Flamèche ça peut brûler, hein. Je suis pas sûr. Dans les règles qu'on a constituées la dernière fois, une attaque qui inflige un changement de statut provoque le statut forcément. Non, mais c'est ça le truc, c'est que je sais pas si Flamèche ça provoque un changement de statut. Oui. Je vais te dire ça. Ah, t'es sûr? Bah, on peut vérifier, mais il me semble. Ouais, je vais vérifier. Le nombre de fois que j'ai infligé des brûlures avec juste. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé des attaques aussi faibles que. Oui, il peut brûler, oui. C'est une attaque spéciale, c'est bien ça? Donc, ouais. De ton côté, tu peux. Ton côté. Bref. Défense. Défense, oui. Ou une défense spéciale, si tu utilises quelque chose de particulier. Bah, en soi, c'est une défense spéciale, vu que c'est une attaque spéciale qui attaque. Bah, juste, ça me paraissait logique, mais. C'est ça. Ok, donc du coup. Et tu appuies sur défense Pokémon. Ouais. Donc, défense Pokémon. Base de défense, c'est dans les stats. Ok. Alors, il a. En défense spéciale 75 du coup. Ils sont au niveau combien tes Pokémon? 11. Ah oui. Oui, c'est à peu près le niveau des vôtres, je crois. Mais après, ouais. Touche 75 et pouf. La plupart, ouais. Après, c'est pas marché. Ah, c'est des gars Pokémon, okay. Et donc. J'avais pas vu le Flamèche. Alors, ah, pourquoi ça marche pas? Dans défense, t'as bien mis def. Dans type. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai. Ah, je sais pas, quand je mets défense Pokémon, ça met juste base défense. Alors, je vais essayer moi aussi. Quand
tu appuies sur défense Pokémon, est-ce qu'il te demande un moment type? Non. Bah si, ça marche, hein. Ah oui, Bah, je sais pardon, pas, je je clique sais. sur le. Je sais. Est-ce que tu as cliqué sur ton Bulbizarre? Oui, j'ai cliqué sur le token. Je clique sur défense Pokémon. Ouais. Et ça me donne juste une input value basse défense. Ouais, d'accord. Donc tu mets, vas-y, insère une valeur. Bah 75, je submite, mais rien du tout. Oh, ça, c'est pas normal. Ah si, ça y est, le type vient d'arriver. On tente. Par contre, Les types, tu mets rien, c'est pas grave. Non, je mets pas de type. Non, non, ça sert à Je mets. rien. Yeah. Du coup, ta défense est supérieure à l'attaque. Non, non. Dois-je vous rappeler que l'attaque flammèche est de type feu et ils attaquent un type plante, donc Bah ouais, faut compter le double. Exactement. Ouais, donc surtout ça que. dépasse largement Alors la défense. par contre, pourquoi le 40 et les deux sont séparés pour l'attaque? Pour l'attaque, le premier jet c'est le jet d'attaque et le deuxième c'est le jet de Le dégâts. jet de dégâts? Ok. Donc ce qui veut dire que là effectivement. Alors attends, je les ai mis où? Bulbizarre. Ok, c'est une attaque feu. Ah oui, il prend le double. Ah oui, d'accord. Ouais, mais sauf que là, si tu veux, il va pas prendre double de dégâts parce que du coup, il arrive à esquiver l'attaque. Ok. C'est ça que je veux dire. Du coup, toi, tu décris comment tu esquives la flamme qui arrive? Et bah du coup, j'aurais demandé à Bulbizarre de bondir pour se cacher derrière un des pylônes de la maison. Ce qu'il aura fait avec son agilité certaine. Pour que la flamme explose sur le plié en pierre et non pas sur mon bulbe bizarre. Ok, mais du coup c'est à toi d'attaquer. Et du coup, et ben, je vais lui demander d'utiliser du coup de se dégager juste assez du pilier pour lancer sa vampigraine sur Wistigram. Ok, donc cette fois tu appuies sur attaque Pokémon. Raison. Tu marques ton attaque. Ah, vampigraine. Du coup, la base, c'est de l'attaque. Vampigraine, c'est de l'attaque physique. Même pas, c'est pas un type de. C'est un type autre. C'est une attaque de statue Donc, de. c'est des statues en fait. Enfin, du Ouais, comme statut, une attaque de excuse-moi. statue. Ok, donc la base. Du coup, je prends quelle base? Peut-être normal, je pense. Attaque, attaque, quoi. Mmh. Ok, alors du coup, en attaque. Oh, ça m'arrange pas, mais en attaque, ouais. Alors du coup, pour la puissance, Vampigraine, je marque quoi? Parce qu'il n'a pas de. De quoi? Vampigraine, elle n'a pas de puissance en soi. Du coup, tu mets 0. Je mets 0. Okay. Du moment que tu as l'effet à la fin. Ouais, Voilà, c'est logique. donc puissance 0. Putain, faut que je me Et casse. ça inflige. Ça inflige un huitième de dégâts à chaque tour. Je me tiens comment? Ça, on le prendra en compte tout seul. Ouais. Du coup, je mets 0. Oui. Enfin, je mets rien, quoi. Bah tu. Oui, tu mets ça, tu mets rien, comme ça on prendra en compte après. Alors, type. Oui, type, ça m'intéresse, oui. Bah du Plante. coup, ça va être distance. Ah oui, plante, ok. Du coup, c'est type plante, je note. Vas-y. Type plante. Ouh, l'échec critique. C'est Un type juste qu'il a critique? fait... Non, c'est juste qu'il a fait un 1 sur son. C'est ça.
Du coup, fais une petite défense, mon cher Wistikram. Let's go. Ouais, alors, demain. Difficulté. Ah non, non, pardon. Défense, je me suis trompé. Défense de base. Ouais, défense. Voilà. Défense par Pokémon. Contre, ça va être chaud patate parce que. Type. Bah, y a pas de type, hein. Donc, je mets rien. Je mets 0. Tu mets rien, ouais. Ah. Ah, yeah. Ça. Ah, c'est bon. D'accord. Il est esquivé. Il fait un salto, il esquive. Ah, c'est Wistikram, il agit là. Du coup, je redemande à Bulbizarre de se cacher. Hmm. Tu dis à Bulbizarre de rester caché. De se remettre derrière le pilier. Alors, du coup, Wistikram voit que Bulbizarre est caché. Comment il fait pour attaquer Bulbizarre? Attends deux secondes, je regarde juste les capacités qu'il a. Tac, tac, tac. Ok, je vais faire ça. Wistikram va sauter de là où il est, juste pour atterrir juste à côté de Bulbizarre. Et il va lui jeter de la poussière dans les yeux. Ah oui, une attaque normale. Pour l'aveugler. Ok. Tu fais une attaque et à la fin tu mets aveuglé. Technique de Hipponite. Alors, raison. Du coup, ça veut dire que Wistikram est entré entre les piliers de pierre. C'est ça. Non, il est resté dehors. Ah, il est resté dehors. Ah, d'accord, oui, il est resté dehors, mais il a juste balancé du sable dans les yeux. Ah, à distance du coup. Bah oui. Ah, il va pas prendre du sable dans ses mains et lui coller dans les yeux en mode ah. Ouais, mais tu vois, tu m'as, t'as dit qu'il était arrivé juste à côté de lui. Donc je pensais que tu étais rentré pour être à côté de Bulbizarre. Qu'est-ce que t'as dit à Mako? J'ai pas entendu. Et pourquoi pas du sable dans les yeux? Oui, c'est ce que je me suis dit, peut-être que. Après tout, jet de sable, c'est le but de cette attaque. Hein. Ouais, sauf que là, c'est jet de sable sans sable. Puissance bas 0. Du bah coup, oui, puissance 0, ouais. Inflige aveuglement. Type type sol. Hein. Non. Type normal, on va dire. Ouais, c'est comme ça, y est. T'as un type normal par là. Ouais. Ouais. T'as fait 79. Ok. Défense. Mmh. Bizarre. Ok, oui, bah défense, du coup. Défense normale. Défense, ouais, défense normale. Hop, défense, Pokémon. Ce combat d'handicapé, il y a personne qui touche. Ah, ça va venir, laisse-lui le temps de se chauffer. Bah, en fait, c'est que le match est très équilibré en fait. La défense est bonne et. Alors, défense bah, 58. Un peu moins bonne, mais bon. du coup, le type, c'est normal. Normal, ouais.